Ah, alors, je vais éteindre ça. Allez voir l'autre. Bon, vu que maintenant on bosse ensemble, on pourrait peut-être oublier les endroits chelous là. Ouais, bien sûr, la prochaine fois on ira parler de buter des gens en mangeant un McFlurry là au McDo. Ouais, bon, vu comme ça, ok, ouais. T'as réussi à avoir le gun, sinon? Ouais. Tu l'as rendu intraçable? Normalement, oui, le gars qui me l'a fourni m'a dit que tout était limé, c'est intraçable. Bon, alors je vais te dire ta mission. Tu vas devoir tuer ton ancien patron un soir lorsqu'il rentre chez lui et ensuite faire disparaître le corps comme si de rien n'était. Attends. Quoi, mon ancien patron, ton ancien client? Bah oui, mais depuis que je n'ai plus pour plan de te tuer, il veut me dénoncer aux flics, celui-là. Ah, putain de merde. Bon. Je vais le faire. Mais après, tu supprimes tout et tu m'oublies. Bonjour à tous les amis et bienvenue pour un nouvel épisode de notre aventure sur Partir de Rien saison 5. Et on a bien bossé pendant le off et pourtant il reste encore tellement de travail. Mais c'est ça qui est bon, allez regardez. Les amis, on est sur cet énorme champ qui m'a pris 1h20, je vous dis, enfin quasiment même 1h30 à construire, c'était une folie, enfin à labourer, on avait pourtant commencé, hein. Je vous le dis, j'ai eu le temps de regarder un film en entier et j'avais pas fini, donc là ça y est, enfin, le champ qui est le plus grand champ qu'on a jamais fait est présent, d'ailleurs bilan du off, comme vous pouvez le voir avec Virgile, on a bien avancé, d'ailleurs j'ai deux petits oublis là, mais c'est pas gênant parce que de toute façon cette zone était déjà labourée, je vous montre ça, regardez-moi ça, c'est pas magnifique, il est immense le champ, il est immense, regardez par exemple, par rapport à notre ancien plus grand champ qui était celui-là, regardez la différence de taille, c'est un truc de malade, il est deux fois, si ce n'est trois fois plus grand, c'est trop bien, alors c'est vrai par contre, je l'avoue, je me suis offert ça qui appartient à la commune, après d'un côté regardez j'ai rendu ça à la commune, hein, ce coin là, ouais je me suis offert aussi ça, j'avoue que je me suis offert un petit peu, ça vaudrait peut-être 50 000 euros, en vrai vous savez quoi, allez je vais payer 50 000 euros, ou alors non, je demanderai pendant le live combien pour eux ça vaut, et on définira tout ça, mais en tout cas je suis très content d'avoir ce champ, parce que pour faire des betteraves ça va être juste parfait, je ferai les bords, et ensuite je lancerai les récolteuses, et ça sera juste magnifique et excellent à faire tout simplement. Donc on a le gros champ là aussi. Bon, je pense qu'à terme on achètera les deux champs qui sont là pour l'agrandir encore. On n'hésitera pas. Hein. Cela pour le moment c'est la suite logique en soi. Hein. Ça suivrait parfaitement. D'ailleurs ça coûterait combien là? On a 200 000. Ça coûterait 140 000. C'est pas infaisable. C'est pas infaisable. Ça se réfléchit comme ça. On aurait trois vraiment très grands champs. Ce qu'a fait Virgile lui par exemple pendant son off, c'est qu'il a tout simplement récolté tout ça. Il a récolté tout le tournesol qu'il y avait là et il a également réparé un petit peu mon semis. On va aller voir ça. Il a réparé parce que comme vous le saviez, mon semis
J'avais pas vu, j'avais accéléré le temps, j'avais oublié que j'avais semé quelque chose. Et du coup, forcément, ça a poussé. Et donc, comme on peut le voir ici, vous voyez, il est repassé sur les bords simplement, ou aux endroits où il fallait vraiment passer. Donc, les trois champs là sont faits. Il a bientôt terminé celui-là. Donc, moi, il me reste le champ là à semer, le champ ici également, si je dis pas de bêtises, ouais, et le champ là. Donc, il m'a laissé quand même quatre champs, mais ça va, c'est pas les plus grands, à part celui-là, mais celui-là va se faire assez rapidement. Donc, je vais faire les petits. Je pense que je vais commencer par ça en soi. Je vais commencer par ça et après, on terminera la récolte des champs, vous savez, qu'on a acheté là, qu'on n'a pas encore terminé de récolter parce qu'il reste une partie en tournesol ici et une partie en maïs et une partie en. C'est quoi? C'est de l'avoine? Oui, c'est de l'avoine. Bon, ça nous fera de l'avoine pour les chevaux, c'est pas gênant. On le vendra pas, mais au moins, quand on fera des chevaux, on aura du stock. Donc, bah, ce que je vous propose, les gars, c'est que je monte directement dans notre délicieux, notre magnifique Newland TG. Et du coup, j'ai hâte de re-rassembler des champs hein, dans cet épisode parce que c'est toujours un plaisir à faire, franchement. C'est une activité que j'aime bien faire. Certains aiment pas que je le fasse, mais moi, je trouve que voilà, c'est le cycle. Hein. C'est le cycle de la série. Au bout d'un moment, on commence à avoir du plus gros matériel. Alors après, on réduira en taille quand on changera de map. D'ailleurs, on en parlera des objectifs. Hein. Où est-ce qu'on en est et on parlera peut-être aussi des futures possibilités en changement de map. Hein, parce que c'est évidemment un point important et intéressant. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied. Donc, je vous avoue que techniquement, je voulais qu'on change à la fin des objectifs que je vous afficherai un peu plus tard. Mais pour le moment, je me dis que bah, à quoi bon, tu vois. Genre, pourquoi changer alors que pour le moment, j'ai pas vraiment de ferme qui me plaise. On verra. Les amis, les champs avancent bien. J'ai dû faire le plein de semences et d'engrais, mais heureusement, on en a acheté pas mal. Alors, du coup, il me reste plus que deux à faire. Alors, vous allez me dire, ah bah non, un seul. Eh les gars, vous tombez dans le panneau. N'oubliez pas notre champ que moi-même, j'ai oublié pendant de nombreux épisodes. Parce que oui, il nous reste encore le champ qu'il y a dans le bout, là, qui est le 97. Si je dis pas de bêtises, celui qui est juste en face. Ah non, pardon, c'est celui qui est plus haut qu'on doit faire. Ouais, c'est le 96. Mais il y a aussi, hop, celui-là, le 184, qui est un peu à l'écart. Et du coup, j'espère qu'on n'oubliera pas de le récolter. Mais normalement, non. Et d'ailleurs, oui, je suis en solo pour cet épisode. Mais vous inquiétez pas, je serai en multi dès le prochain épisode. C'est juste que Virgil était pas mal occupé ces temps-ci. Mais en vrai, c'est pas plus mal. Des fois, un petit épisode comme ça, ça me permet, moi, de rester en solo. Et souvent, quand je suis en solo, c'est que je fais les modifications de map. J'ajoute plein de bâtiments, tout ça. Alors, vous allez me dire, j'ai pas fait trop ça. Mais si, j'ai quand même pas mal modifié la map en agrandissant les champs. Alors, c'est possible en multijoueur, évidemment. Mais en vrai, c'est pas grave. Comme ça, il sera là pour faire les gros chantiers. Même si les gros chantiers, on va les commencer dans cet épisode, évidemment. La moisson va commencer dans cet épisode. La récolte de betterave va commencer dans cet épisode. Même s'il y a encore tout le semis de la betterave à faire. Normalement, ça devrait être fait. Hop, bah, j'active. Bah, écoutez, moi, je reprends. Je vous ai juste repris comme ça pour vous montrer. On est. Voilà, je sème deux champs et puis on passe au côté des betteraves. On va terminer de récolter ce qu'il y a sur les champs, créer le champ et justement y semer les betteraves. Du coup, ça y est, tout est semé. Tout est semé, les amis. Ça y est, enfin. Et ça va donc être officiellement, je pense, la plus grosse récolte d'orge qu'on ait jamais fait avec Virgil. Regardez-moi ça. Ce champ. Et encore un champ derrière. Donc là, à mon avis, on va avoir franchement. Allez, objectif, je le donne. Je sais pas si on y arrivera, mais 200 000 litres d'orge. Ce serait pas mal. Hein, parce que je crois que le max qu'on a fait pour moi, c'est 150. Là, je pense qu'on peut aller chercher les 200 000. Et encore, franchement, peut-être même 250. Mais déjà, 200 000, ce sera pas mal. Alors, il faut que j'ajoute évidemment de quoi optimiser le rendement à 100%, sauf aux endroits évidemment. Ont déjà poussé. Mais vous voyez là, ce champ là par exemple, les bordures de ce champ, j'irai y apporter évidemment de l'engrais pour être sûr qu'on soit peinard niveau rendement et qu'on ait un max d'orge. D'ailleurs, est-ce qu'on a encore? Non, on n'a plus rien. Et dans nos silos, on n'a plus rien du tout. Enfin, on a de l'ensilage, ça, ok, mais on s'en fout. Et du diesel, mais ça c'est dans nos réserves. Mais ok, du coup, on n'a plus de grains du tout. Hein. Bah, à part le tournesol, quoique le tournesol, on va le vendre. Je pense que le tournesol en vrai, ça nous servirait que pour les cochons et les cochons, on va attendre encore un peu avant de les faire. Donc en soi, je pense qu'on va s'attaquer à ça. Je vais terminer. Alors du coup, il me reste un champ de tournesol, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, j'irai emmener le tournesol à vendre avec cette benne. J'attends
j'attaquerai le maïs. Alors le maïs ça va être rapide, hein. Le maïs en vrai en 5 minutes c'est fait. Pareil, je l'emmènerai à vendre je pense, parce que ça servirait qu'au cochon et pour le moment j'en ai pas vraiment besoin. Et ensuite je ferai l'avoine, que là par contre j'amènerai soit au silo, soit aux chevaux s'ils ont encore de la capacité dans leur enclos. Alors j'ai pas encore les chevaux, mais comme vous le savez j'ai l'enclos au niveau du site qui est terraformé, le site céréalier comme on l'appelle. Bah là d'ailleurs je prends la benne, mais je peux directement aller avec la moissonneuse et amener la benne ensuite, ça posera pas problème. Bah du coup les amis, moi ce que je fais c'est que je vais vous mettre un accéléré tranquillement. Ça avance bien, alors pas mal d'accélérés, hein. En ce début d'épisode, il y a des épisodes comme ça, hein, quand il y a des grandes tâches à faire. Mais après il y a d'autres épisodes aussi où on parle beaucoup et on avance pas tellement. Là c'est tout l'inverse clairement, et pourtant hein, je suis en solo et ça avance bien, vous voyez. C'est vrai qu'avec les ouvriers on arrive quand même à bien avancer quoi qu'il arrive, hein. De toute façon c'est quand même un peu plus lent, c'est sûr, comme multi. Mais tout n'est pas perdu, puis c'est des épisodes un petit peu plus chill. Et l'important de toute façon c'est qu'on avance. On a 250 000 toujours, mais après c'est vrai que voilà, je voulais dépenser en échange, je sais pas si je le ferai, sachant que va falloir penser au remboursement. C'est quand même un quart de l'emprunt, c'est pas négligeable. Après on peut dépenser aussi qu'une seule partie. C'est peut-être quelque chose que je demanderai durant le live, ce qu'on fait de cet argent. Ça va dépendre en fait, hein. Déjà quand j'aurai regroupé ce champ, ça fera un sacré champ aussi, hein. Et va falloir les récolter les betteraves avec juste la seule récolteuse qu'on ait. Quoique, je sais plus, il y a combien d'épisodes que j'avais demandé un prêt de matériel. C'était il y a pas mal de temps. Je crois que c'était pour une barre de coupe. Oui, c'était pour la camper d'ensilage. Ah, attendez les amis, c'était il y a combien de temps? On va regarder ça ensemble. On va regarder. Ça se trouve, j'ai moyen de demander une autre récolteuse. Comme ça, ça permettrait de tester une plus grosse récolteuse avant de l'acheter. Alors, c'était, du coup, là, on compte celui-là. Donc, c'était il y a 1, 2, 3... Ah ouais, 4 épisodes, c'est un peu juste, là c'est le 5e techniquement. Ah, ça pourrait le faire, ce serait tout juste, ouais c'est à voir, on va voir, ouais ça ferait 5, là ça ferait 5 en comptant celui-là quoi. C'est limite, j'avoue c'est limite. Bon bah écoutez, moi je récolte le tournesol, et sinon bah c'est pas grave, sinon bah, je commencerai avec une seule et au prochain épisode on prendra la deuxième. De toute façon je pense pas que je terminerai la récolte de betteraves aujourd'hui, déjà si je la commence j'aurais beaucoup joué je pense, franchement. Les amis, ça y est, le tournesol est récolté. Donc là, enfin, c'est bon pour le tournesol. Je vais pouvoir lancer. En vrai, vous savez ce que je vais faire? Je vais pas m'emmerder. Vous allez me dire, mais tu t'emmerdes jamais? Oui, vous avez pas tort, je lance des ouvriers souvent. Mais c'est pour les plans avant tout. Oui, tu le faisais avant quand il y avait pas de plan. Oui, aussi, mais c'est bon, on commence à bien faire. Donc, je lance ouvrier sur le maïs. Ah, vraiment le maïs grain. No joke, hein. J'ai pas peur de le dire. Le mec, il prend risque de ouf. Non, pas du tout. C'est la plus belle activité graphique à regarder. Genre, vraiment, le maïs est magnifique. Enfin, on a un vrai maïs grain qui ressemble à un vrai, franchement, un vrai maïs grain bien cramé. Et l'animation, quoi. Enfin, c'est génial. Ça, vraiment, c'est une grosse réussite de Farming 22. Faut pas hésiter à le dire quand il y en a. Donc, là, on a quand même beaucoup de litres de tournesol. On a, pour tout vous dire, 52 000 litres. Et c'est repris. Oh, c'est pur prix très cher à Mittelberg. Ah, est-ce que je me ferais. Est-ce que je m'embêterais, devrais-je dire? Est-ce que je m'embêterais aller à Mittelberg, à acheter à louer un convoyeur ou en acheter un, en soi, vu que j'ai le AGI pack qui est le. Goat Pack en vrai, hein. C'est un super DLC gratuit les gars, je conseille à tout le monde de l'avoir, il est vraiment cool. Pff, en vrai, ouais c'est vrai qu'il pourrait être pas mal, genre en plus c'est pas très cher en soi. Je l'achète et comme ça maintenant à chaque fois je vends à Mittelberg. Après le prix il est comment là? Ah ça pourrait être tellement plus haut. Attends, on est en quel mois? On est en novembre et le meilleur mois c'est février. Et vous savez quoi, je vais accélérer le temps, hein. Parce qu'en vrai la pousse est pas activée. Donc vous savez quoi, même si je vais payer un peu d'intérêt, je pense que ça vaut le coup pour 50 000 litres de... Ou un peu d'intérêt, oula, attends mais qu'est-ce qui coûte aussi cher? Location? Qu'est-ce que je loue moi? Ah la barre de coupe, la con que je suis. Ah bah oui, mais là le prix s'est effondré évidemment. Oh bah ouais, ah bah là. Bah vous savez ce que je vais faire? Je vais terminer de récolter le maïs, je vais rendre la barre de coupe et on accélérera à ce moment-là. Oui non, mais ce sera moins con. Les amis, ça y est, la moisson est totalement terminée, les champs sont libres, ça aura pris quand même pas mal de temps, hein, mine de rien. On se dit, vite fait, je fais la moisson, puis ça part, mais j'arrive à la démarrer, la machine, ou pas? Ok, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elle a eu un loupé, je suis persuadé d'avoir appuyé sur entrée, ou peut-être pas. Alors, en tout cas, c'est fait, voilà, bonne chose de fait, je suis bien content. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'amène tous ces grains-là quelque part, donc l'avoine. En vrai, l'avoine, ce que je vais faire, c'est que je reviendrai le chercher, je pense, avec le fent, pour le tournesol. Alors déjà, premier truc qu'on va faire, voilà, c'est ça, c'est on va rendre la barre de coupe, on va accélérer le temps, donc accélérer, donc là, ou what, on gagne de l'argent, on a peut-être encore dans le BGA.
je vois que ça, mais on en repère quand même pas mal avec les le prêt, tout ça, évidemment, l'entretien, la propriété qui coûte assez cher, hein, mine de rien. Et alors, le bon prix, normalement, c'est en février. Voilà, normalement, on devrait avoir un prix plus que correct. Oui, carrément, carrément, ça vaut peut-être même pas le coup de l'emmener. Non, en vrai, ça vaut presque pas le coup de l'emmener sur les rails. Hein. En soi, c'est 150 euros de plus. Je l'aurais bien fait, mais ça fait de la distance en plus pour pas grand chose. Et là, on me le reprend pas trop mal. Ah, par exemple, Fuchshop Wallstetten, c'est où? Ah, c'est juste là-bas, enfin, c'est juste là-bas. Il y a de la route, hein, on est d'accord. Mais non, bah, on verra pour le reste. On verra peut-être pour la benne de maïs que j'ai là. Mais pour le moment, je vais laisser la moissonneuse là. On va la laisser allumer d'ailleurs. Déplier, comme ça, ce sera bon. Et ce que je vais faire, bah, c'est que je vais emmener du coup mon tournesol pas au train, mais à un endroit qui a repris un petit peu moins cher. Mais 140 euros. Alors, 140 par 50, ça ferait 7500, un peu moins. 7200. Donc, en soi, je perds pas grand chose. Franchement, je perds pas grand chose. Donc, ouais, let's go. Let's go, let's go, let's go. Bon les amis, on fait un petit braquage ou pas? Bon, à mon avis, on va faire à peine 75 000 euros. Quoique, on a 52 000 litres. On va aller chercher les 75 000 ou tout juste quoi. Tout juste en dessous. C'est impeccable, en vrai, ça nous met à 325 000 euros. Alors qu'on a toujours pas. Là pour le moment, je vous dis, tout ce qu'on a investi, techniquement, ça n'a rien rapporté parce qu'on a toujours rien planté dessus. Hein. Et genre vraiment, un champ, c'est le meilleur investissement en soi parce que tu perds pas d'argent. Tu récoltes déjà ce qu'il y a dessus, t'as déjà gagné de l'argent. Alors que le champ n'a pas perdu en valeur. Et que toi, après, tu as juste à replanter jusqu'à. Ça s'use pas un champ, c'est à vie. Donc ça, c'est vraiment. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire sur farming en soi. Parce qu'un tracteur, ça va s'user et surtout nous, avec notre règle descenteur, au bout d'un moment, il faudra le changer. Mais on est déjà à 52 sur celui-là, par exemple. Alors qu'un champ, pas du tout. D'ailleurs, j'ai réparé, j'ai fait le plein du New Holland TG parce qu'il était dans un état pitoyable. Pareil pour le John Deere, mais ça, je crois que j'avais fait en vidéo. Du coup, on a fait 72 000 euros, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il me reste du coup à emmener? Il me reste ici de l'avoine, mais ça, en vrai, l'avoine, on s'en fout. Enfin, ça peut être le temps que je ramène la moissonneuse là-bas, hein, parce que ça n'a pas d'importance, je le vendrai pas. Mais par contre, pour ce qui est du maïs, j'ai 20 000 litres. 20 000 litres, le maïs, est-ce que c'est bien repris à cette période? C'est pas dingue, mais c'est pas le moins bien. Mais bon, j'ai pas envie d'accélérer le temps pour pas grand chose, quoi. Ça serait 100 euros de plus. On va l'emmener à. Je sais pas. Production de semences, ça c'est où? Oh, c'est loin ça. Oh là là, non. On va pas s'emmerder, hein. Au restaurant. Bah écoutez, j'emmène ça au restaurant, les gars. Et on se retrouve, enfin, pour rassembler ces champs. Et ouais, il est temps, j'ai hâte. Franchement, j'adore faire ça. Mais beaucoup en vrai sont contents. Certains sont juste à dire pas trop grand. Et je comprends aussi, je vais essayer de pas faire trop grand. Mais d'un côté, voilà, on a du gros matos. Et pour récolter les betteraves, c'est sympa d'avoir des grands champs. Hein. Même IRL, les gars, vous allez pas me dire que vous mettez des betteraves sur 0,5 hectares. Ça ferait chier tout le monde de déplacer tout le monde pour ça. Donc c'est logique. Bon là c'est peut-être un peu grand certes, mais voilà, la map est faite ainsi. Enfin, elle était pas faite ainsi, mais la forme en tout cas est faite ainsi. Eh bien, j'ai lancé un ouvrier qui a été tout seul au restaurant, j'étais parti pendant qu'il l'emmenait, donc je sais même pas ce qu'il a fait. Bon, l'important c'est qu'il y soit, j'imagine. Et là, je vide le maïs qui va nous permettre d'aller chercher les 350 000. Ah, peut-être pas, c'est pas repris si cher que ça en fait, le maïs, hein. Bah, c'est vrai que ça rend un peu plus que le tournesol, mais... Ah oui, non, d'accord, non, même pas 340. Ah oui, que déception, quoi, c'est terrible. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que j'envoie direction, hop... non, pas du tout, j'envoie ici, tac, créer une tâche. On va lui dire... on va juste lui dire d'aller... Hop, démarrer la tâche. Je t'ai pas dit où aller, frérot. Ah oui, ok, position cible. Un peu compliqué, ça. Et on va lui dire d'aller... Ah bah, avec la benne là, en vrai... Non, on va lui dire d'aller là. Ah, très bien. Démarrer la tâche. Ça marche pas trop mal, en vrai. Enfin, des fois. Enfin, après, il met un peu de temps, là, il se dit... parce qu'il faut que je parte, merde... Et là, il part. Oui, il est un peu con, mais ça va. Sans ça. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à ramener? Ah bah on a le John Deere. Et du coup le TG, en vrai je vais pouvoir le prendre pour créer du champ. Bah ouais, en vrai c'est cool. Donc lui pareil. Alors je vais peut-être le mettre sur la route. Parce que j'ai peu de confiance quand ils sont hors route pour les obstacles et tout. En général c'est comment avoir des soucis. Je me trompe toujours. Créer une tâche. Bah, très bien. Voilà, démarrer. Il comprend. J'étais sur le bon. Ouais, ok. Ok, impeccable. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est quand même un bel ajout. Et le TG, il est où? Le TG, il doit être à l'autre ferme. Voilà. Bon, bah, le TG, direction. Là, le nouveau site pour créer ce champ. Alors, maintenant, faut que j'enlève les arbres, évidemment. Avant de tout rassembler, il va falloir virer pas mal d'arbres parce qu'en plus, j'ai pour projet, les amis,
de m'avancer. Vous voyez, en gros, je pense que le champ, il va faire ce tracé. En gros, je vais remonter là, hop, comme ça, et rejoindre limite cette bordure de champ. Et ensuite, repartir droit comme ça et recouper là. Donc, il faut que j'enlève tous les arbres qu'on voit quasiment, sauf ceux qui sont en bordure ici. C'est de ceux-là, je ne gêne absolument pas. Et sont même d'ailleurs assez jolis. On peut les garder. Et après, je remettrai peut-être des arbres entre les deux champs là pour que ça refasse un peu de verdure. Mais je vais en enlever le maximum. Comme ça, on aura la place de créer ce champ. Et mine de rien, ça va prendre pas mal de temps. Hein. Je pensais pouvoir tout faire dans l'épisode, tout récolter, machin. Oula, on va déjà créer les champs, semer et commencer la récolte. Et ce sera déjà un bel épisode, je pense. Bon, bah, du coup, je commence. Je vais commencer par ceux du centre, je pense. C'est ce qu'il y a de plus logique. C'est parti. Ça y est les amis, il n'y a plus d'arbres. Alors oui, on les voit de loin, mais encore une fois, c'est le temps que je quitte et que je revienne sur la partie. Donc d'ici la partie du live, on les verra. Donc maintenant, il va falloir que du coup, ouais, je coupe là tout droit. Alors avant, il va peut-être falloir que je terraforme quand même. Parce que j'ai été voir, et c'est vrai qu'on a affaire, regardez, à une pente qui va pas être très agréable à faire. Donc en soi, je vais peut-être terraformer un petit peu. Alors, peut-être pas en utilisant l'outil niveau. Bah après, c'est vrai que l'outil niveau est efficace. Hein. Je vais pas mentir, si je fais un niveau là, c'est assez efficace. Ouais, j'avoue. Après, si je durcis un peu la brosse, ouais, ça permet des fois d'aller chercher, tu vois, des gros espaces. Mais la plupart du temps c'est quand même mieux d'adoucir parce que là comme vous pouvez voir je peux à tout moment foirer mon champ. Ça va, là ça va tu vois, là typiquement ça va. Mais faut faire gaffe quand même. Voilà, là c'est pas trop mal, tu vas chercher ici. Mais après tu vois à tout moment je commence à prendre de la hauteur donc c'est pas bon. Donc là tu vois tu refais un niveau. En fait c'est ça, c'est mettre des coups de niveau à des endroits et après réussir à adoucir tout ça, c'est pas évident. Et comme ça après j'ai plus qu'à passer. Normalement là on est pas trop mal. Là on est pas trop mal, je prends l'outil adoucir en plus ne détruit pas les champs. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc là en vrai je fais vraiment tout droit quoi. Je pars là, hop, tout droit. Et ensuite je pars en angle ici. Bon, des fois vaut mieux un bon angle plutôt qu'un truc progressif en rond. Parce que le truc en rond va vite vous faire chier au bout d'un moment. Ça au moins vous faites droit et vous avez toujours vous conservez votre carré pour faire des allers-retours en moissonneuse. Des fois c'est mieux qu'un angle. Après si vous avez pas le choix d'avoir des angles quand vous faites des champs c'est pas grave hein. Et moi je trouve en général je préfère comme ça. Moi c'est des préférences hein. ça marchera très bien dans les deux cas. Mais avec les ouvriers ou si vous voulez automatiser un petit peu plus en général c'est ce que je conseille. Ouais là je suis un peu ouais, c'est bien de regarder de temps en temps de plus près parce que c'est pas ouf ce que j'ai fait là. Là c'est comment, ouais il y a quand même une hauteur, il y a une différence de hauteur, c'est chiant. Ouais bah faut juste adoucir. C'est vrai que l'outil adoucir ils auraient dû le faire un peu plus violent hein, parce que regardez le temps qu'il faut pour que ça baisse. Ah c'est impressionnant. Bon bah écoutez, moi j'ai plus qu'à monter là normalement. Après aussi c'est beaucoup d'ajustements. Je vais monter dans le TG et c'est au moment de passer que je vais me rendre. Oula oui d'ailleurs oui j'ai bien baissé la hauteur mais en soi ça devrait pas être gênant. Donc ça, on descend un peu un endroit forcément parce que vu qu'on montait et que j'ai égalisé, maintenant ça baisse un peu. Mais ça devrait pas être très gênant. Donc là j'active Y pour passer en création de champ et je vais passer. Donc là progressivement je vais tourner et passer tout droit, tirer un trait droit. Hein. Là franchement j'appuie sur Z, normalement j'appuie plus sur Q et D de la game. Juste me remets bien et là normalement je mets le régulateur. Techniquement je touche plus et j'ai une ligne qui est pas trop mal. Alors ça va laisser un petit peu de bordure sur les côtés mais c'est pas plus mal des fois. Ça permet à l'ouvrier de s'en sortir pas trop mal, d'avoir une petite marge de manœuvre. Alors elle est très légère là j'avoue. Je dis ça en mode j'ai laissé 5 mètres. Oui j'ai laissé quelques centimètres. Mais c'est ces quelques centimètres qui peuvent éviter que quand il fait un demi-tour sa barre de coupe touche, tu vois. Parce que des fois ils font des calculs les ouvriers mais en fait ils ont oublié la petite retenue qui fait qu'ils finissent dans l'arbre. On les connaît, on se méfie. Non là c'est pas mal. C'est pas mal. On va peut-être juste un peu trop monté sur la fin. J'attends d'être sur la fin avec vous pour qu'on constate ça ensemble. Mais pour le moment ça va. Et vous voyez là j'ai laissé le truc aller tout droit. Donc c'est un alignement parfait. Hein. Là je peux pas faire mieux. Là pareil, tu vois l'espace vert c'est pas grave. Ça sera l'occasion de mettre des petits arbres, de faire un truc un petit peu joli. Et voilà. Et en fait non ça va. Là j'ai fait ça pas trop mal. Et j'ai plus qu'à partir dans le sens là, suivre à peu près. On va laisser peut-être un peu plus de bordure, mais de toute façon c'est pas grave. Vaut mieux faire plus en labour, comme ça on n'a pas repassé. Et après avec l'outil peinture on finit propre. Vaut mieux voilà, labourer plus et comme ça après vous aurez plus qu'à repasser avec l'outil peinture pour finir. Que l'inverse c'est plus chiant, faut ramener la charrue. Si vous vous loupez avec l'outil peinture, c'est galère. Alors que là, voilà, je préfère prendre un peu plus. Comme ça, j'aurais pas à repasser. Ouais, même là, en vrai, c'est pas mal comme séparation de champs. Il y a pas besoin de plus. Hein. On optimise aussi un petit peu. On a payé hein, tout ça. Alors là, je suis peut-être un peu sur la parcelle de l'État, mais la plupart des parcelles, on les a payées. Donc, et puis celle-là, on la paiera dans le live. Hein, quoi qu'il arrive, c'est notre argent. On a intérêt de l'optimiser. Bon bah les gars, je vous mets un accéléré. Je sais pas si j'aurais fini de rassembler tout ça dans cette partie 1, mais en tout cas, juste après le live, en tout cas, ça sera fait. Bon, on a plein de choses à faire. Là, j'étais en train de rassembler un champ, mon pote. Et j'ai plein de choses à vous demander. J'ai deux questions. Du coup, j'ai une question à vous poser. Vous savez... Alors, attendez, je vais vous montrer. En gros, là, je rassemble des champs. Mais là, ouais, j'avoue que je... Ah non, c'est pas ma parcelle. Regardez, vous voyez ce qu'il y a en bleu, légèrement plus clair que le bleu foncé.
Vous voyez ou pas? C'est pas à moi, techniquement. Ça appartient au gouvernement parce qu'on s'était offert cette parcelle. Alors par contre, alors attendez, je tiens à dire, les gars. Ah non, mais en fait, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Je vais vous poser quand même la question, mais franchement, il n'y a plus de débat. On s'était offert la parcelle à l'époque. Parce qu'en fait, la parcelle, écoutez, je vous mets un flashback. Désolé, Balan, parce que là, pour retrouver ça... Attends, je pense que les amis dans le chat, on est d'accord, j'ai pas à le payer, ça. Le truc à 72 millions. Je veux bien le payer, mais je l'achèterai jamais quand on changera de map avant. Oui, tu le payes sûrement pas. Oui, tu te l'offres. Oui, oui, tu peux. Ça a l'air d'être assez, assez sûr là-dessus. Ok. Hop. On avait choisi de s'offrir une parcelle qui valait des millions et des millions. Sauf que cette parcelle, maintenant, sur la nouvelle version de la map, elle vaut 0 euros. Et je ne rigole pas, elle vaut 0 balles. 0 euros, rien. Du coup, en fait, j'avais juste prédit une mise à jour. Donc là, techniquement, je suis d'accord que pour faire ce champ, j'ai utilisé un bout de la parcelle du gouvernement qu'on s'était offert. Mais une parcelle qui vaut rien et qu'on s'offre, si tu veux. Quand je m'offre Fortnite, si tu veux, je me fais pas un grand cadeau. Donc je sais pas. Donc c'est vrai qu'on utilise quand même une partie de la parcelle. Après, certains vont me dire, oui, mais Marlon, tu utilises quand même une parcelle qui n'est pas à toi. Mais en tout cas, voilà. Donc là, les amis, on va quand même poser la question. Combien on paye la parcelle du gouvernement, sachant que elle est gratuite maintenant sur la map. Hein. Elle est gratuite, hein, je vous le dis. Donc, la réponse 1, on la paye 0 euros. Ou alors, vas-y, Balan, mets 70 000 euros. Balan, il oriente les votes. Regardez-moi ça. Après, c'est moi le dictateur. Mais regardez, Balan, il a fait quoi? Il a mis 70 000 dollars. Oh, et là, 0 dollars, ça régale, chef. Bon, le sondage. Alors, boum, on met fin au sondage, les amis. Normalement, c'est 65% pour le 0 euros. Tu te régales de. Ça régale, chef. Voilà, 64%. Donc, tu vois, on est bien. On se régalouse, hein. On est sur une box régalouse, là, hein, je vous le dis. Bon, alors, j'ai une autre question à vous poser, les gars. Dans le chat, c'est on fait quoi de l'argent qu'on a sur le compte? Là, comme vous pouvez le voir, on a 336 000 euros. Donc, financièrement, on est quand même plutôt bien. Franchement, hein, même si c'est vrai qu'il ne faut pas oublier le fait qu'on ait un emprunt d'un million à rembourser. Donc, vous pensez que c'est quoi le plus sage? Sachant que l'emprunt, je dois le rembourser dans 3 épisodes. Donc, pas le prochain, pas celui d'après, mais celui encore d'après, ça sera le dernier pour rembourser l'emprunt. Comment on fait? Soit, en gros, je décide de commencer à rembourser l'emprunt. Donc, je mets 300 000 euros dans l'emprunt. Ou alors, deuxième possibilité, je me dis, là je suis en train de créer des champs, je vais me faire des champs de betteraves, donc autant terminer d'investir et de rembourser tout d'un coup plus tard, sachant qu'il me reste encore un peu d'ensilage, j'achète les deux champs qui sont là, en plus, tu vois, avant de rembourser l'emprunt, j'achète les deux champs qui sont là. Le sondage est créé, voilà vous voyez la question. Le sondage, oh oui, le sondage, oh c'est serré, oh comment c'est serré, je peux pas faire deuxième tour là les gars, oh là là, ah ouais j'avais pas fait gaffe, j'ai même pas pu influencer les votes, j'avais totalement omis de parler de ce sondage. Mettre fin au sondage, les amis. Que fait-on avec l'argent sur le compte? On achète, on achète le champ 32, 50 et 30. Et l'emprunt, ça attendra 3% de vote. C'était pas grand-chose. Hein. Ça s'est pas joué à grand-chose. Moi, je te le dis, collègue. Je te le dis, mon collègue. On a quoi? Oh, ça m'a planté des trucs. Du soja en cours de croissance. On va pas attendre que ça pousse, on s'en tape. Et ça, on le récoltera. Y a pas grand-chose. Et franchement, y a même pas 10 000 litres de blé. Hein. Les jeux bug, as-tu un jeu à me proposer? Je galère ce week-end. Évidemment, Harvest Run, disponible sur iOS et Android, mais régale-toi. Mais régale-toi, mon ami. Lien dans la description. Et les gars, je regardais, ça va faire 8 ans que je live cette année. 8 ans que je live. J'ai commencé en 2015, premier live en janvier 2015, et après, à partir de mars 2015, les gars, je vous jure, hein, j'ai décidé que je ferais un live par semaine, tous les vendredis, et... J'ai dû, tu vois, avec mes vacances, avec les soirs où j'étais malade, qui ont été très très rares. Hein. J'ai dû en louper genre même pas 20. Hein. Donc franchement, bah il y a dû avoir quasiment 500 lives. Un peu moins, tu vois, un peu moins, parce que forcément, ça fait pas encore 10 ans, mais tu vois. Répare le TG, ouais, bah allez, vous savez quoi? D'ailleurs, on va fixer un... Oh, ça vous stresse, hein. J'aurais pu finir le travail. Eh bah non, on va aller réparer le TG. Fini le champ. Trop tard, les abonnés m'ont spammé de réparer le tracteur. Bah mais faut savoir ce que vous voulez, les gars. Faut vous concerter avant de dire des conneries en commentaire. Là, je suis parti à réparer le machin. Putain, j'ai rien pour réditer les véhicules à part le conteneur, mais je vais mettre le conteneur sur... Ouais, partout, quoi. Non, mais je l'ai réparé. Comment ça, je l'ai réparé? Il a rien pris. Ah, le concessionnaire, il m'a pris 1000 balles, il a rien changé. Il a pas changé un joint de culasse. Attends, faut que je leur... Alors, le jour où je mets 40 000 euros pour repeindre des plastiques, il y a marqué « Roi des connards » sur mon front. C'est la charrue qui a réparé. Ah ouais? Oh! Ah ouais, la vache! Je savais pas que ça marchait comme ça. Ah ouais, c'est dingue. Alors, réparer. On répare la masse. Non, mais le mec qui a abîmé sa masse, qui doit la réparer... D'accord. Si tu veux, il freine que en rentrant dans les autres véhicules. Hein.
Bon les gars, comme vous l'avez vu hier en live, on a fait pas mal de trucs, on a répondu à pas mal de questions, donc merci d'avoir été présent, c'est toujours cool. D'ailleurs, je vous rappelle, les lives c'est les vendredis 20h30, donc n'hésitez pas, on fait une demi-heure de PDR, ça nous permet d'avancer quand même pas mal. Alors ici, on a un champ rassemblé, ça prend des plombes avec ce Lizard MT, et ça tombe bien, parce que, regardez, ce Lizard MT, je crois qu'il fait 9 mètres. Et ça tombe bien parce que Baboulinet, ça faisait longtemps qu'il m'avait dit, Marlon, si tu veux, je t'ai fait un mod qui va jusqu'à 15 mètres, et alors en plus, il est pas cheaté. On va faire ça, parce qu'on a un Newland TG, si tu veux, on a de la puissance, c'est bon. 9 mètres, nous, ça nous suffit plus, on est plus à ce niveau-là. D'ailleurs, ah oui, si, c'était un 9 mètres qu'on avait. Et donc voilà, il a fait un edit du mod qui permet d'aller 9, 12 et ensuite 15 mètres. Donc ça demande 320 chevaux, mais on les a. Et on va le prendre limite couleur Blue Holland, là, comme ça, là, un petit Blue Holland. Oh, c'est stylé, on peut même mettre les dents en blanc et tout. C'est incroyable. Dommage, il n'y a pas des couleurs métallisées, j'aurais adoré mettre les dents en métallisées. On va le mettre en noir intense. Oh, c'est trop stylé. Moi, j'achète ça direct. 60 000 euros en plus, donc tu vois, c'est bien plus cher que de base, donc c'est cool. Et ah non, c'est 23 mètres, pardon. Attends, c'est quoi le délire, hein? Pourquoi ça dit 23 mètres, là? J'ai une petite frayeur, là. Attends, ça me l'a livré où? Ici, ok. Ah, ok, ok. Non, bah ça, c'est pas de la faute du mode de Babou, hein. C'est parce que, voilà, j'ai fait ça spawner un peu n'importe comment. Alors, comment je le récupère, le machin? Comme ça. Il n'y a pas volonté de me le donner, hein. Ah, ok, bon, je sais pas pourquoi il apparaît toujours à perpète les oies, mais on va tester ça, hein. Ça a l'air sympa. Alors, techniquement, c'est 15 mètres. C'est un sacré 15 mètres, hein. C'est un sacré 15 mètres, quand même, hein. Si ça, c'est 9 et ça, c'est 15, bizarre. Non, parce que ça me paraît être, oui, un 23 mètres. Attendez, on va déplier l'autre devant. Oui, non, mais il y a au moins le double. Ah, quoique, non. Oh, si, il y a au moins le double. Ah, non, quoique, non, j'ai rien dit. Ah, attends, on va le dételer là, celui-ci. On va le baisser, on va le dételer. Hop, voilà, tranquillement. Et on va aller chercher avec le Newland TG, ce nouveau. Parce que, non, mais franchement, bah, ça fait assez de temps comme ça que je laboure. Je me suis dit, Marlon, fais-toi un kiff. Prends-toi un outil plus gros. Puis en plus, Babou, voilà, il a bien fait ça. Il a augmenté le prix, il a augmenté la puissance requise. Donc rien de cheaté là-dessus, hein. Attends, j'ai le droit de l'atteler. J'ai le droit. Oui, merci. Ah oui. Oh, c'est formidable. Oh, c'est fantastique. Oh, elle est fantastique. Oh là, oh, elle est fantastique. Là, vraiment, ça va être juste du kiff, hein. Je baisse, j'avance. Et ça fonctionne. Et que demande le peuple? Bon, bah, accélérer, les gars. On se retrouve quand il n'y a plus de champ ici. Ça va me prendre un peu de temps. Mais Babou, par contre, la vitesse, là. Va falloir me changer ça. Non, va falloir que je change la vitesse parce que. Okay, comment ça, 30 km/h? Faut se calmer, hein. À un moment, j'ai de la puissance, mais faut se calmer, hein. Ouais. Bon, ça y est, c'est terminé. Il est pas mal cet outil, mais le problème c'est que, bah, vu qu'il est pas flex, eh bien, il fonctionne pas tout le temps. Ouais, c'est problématique. Comme vous pouvez voir, les oublis là, c'est pas moi qui ai fait exprès de les oublier. J'ai dû repasser des fois 4-5 fois sur des endroits parce que, bah, comme vous pouvez voir, quand je le baisse, il se baisse pas assez en fait. Il se baisse pas assez. Du coup, regardez là sur le côté gauche, il est quasiment totalement levé. C'est un peu problématique. On aurait aimé qu'il s'enfonce un petit peu plus parce qu'en plus, il y avait un peu de marge ou alors qu'il soit pas en collision et qu'il laboure quand même. Ça aurait été sympa, ça aurait permis que ce soit plus simple. D'ailleurs, les amis, j'en profite pour lire vos commentaires parce qu'on a pas mal de petits commentaires intéressants. On commence avec le commentaire de Corentin qui me dit « Salut Marlon, pour ce qui s'agit des silos d'ensilage, tu devrais changer vu que vider les remorques trop grandes, déjà c'est compliqué. Et aussi à cause du bug de l'ensilage au fond que tu peux pas retirer. » Oui, c'est vrai que ça fait pas mal de défauts pour ces silos. C'est dommage, moi je les aime bien. Franchement, moi les silos là, je les trouve pas nuls, je les trouve sympas, tu vois. Je les aime bien, c'est joli, ça donne une gueule à la ferme. Mettre des silos classiques, c'est possible, hein, mais ça m'embête un peu, mais bon, on aura sans doute pas le choix, parce que oui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'inconvénients, et pourtant j'en ai déjà réglé des inconvénients dessus, et ils ont encore et encore. Oui, je pense qu'à terme, en effet, on les remplacera, hein. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, hein. Il me dit sinon, super vidéo, continue comme ça, hâte de voir le retour de Solo Monde, moi aussi, hâte de vous faire le retour de Solo Monde. Ensuite, on a un commentaire de Benjamin qui me dit, salut Marlon, en ce qui concerne l'allocation de la barre de coupe pour le maïs, je l'attendais, tu as fait une erreur. En effet, tu avais dit en début de série que l'allocation n'était pas possible, tu avais déjà un véhicule ou équipement plus petit. Or là, tu n'avais pas, donc tu ne devais pas effectuer cette location. Alors, vous avez raison, parce qu'en fait, j'étais persuadé avec Balan que c'était en barre de coupe. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai une barre de coupe. Du coup, oui, c'est vrai que bon, j'aurais pas dû. Bon, après, si j'avais labouré le maïs, vous auriez pas été content non plus. J'ai envie de dire, je l'aurais pas fait avec une Ziegler. Hein. De toute façon, vous voyez, bon, ouais, bon. Arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas quoi vous dire, ouais. Mais je pensais que c'était en barre de coupe personnellement. Mais ça ne l'est pas. Alors, regardez, là j'avais baissé l'outil et ça n'a pas fonctionné. Ouais, regardez. Ouais, elle a des petits défauts quand même, hein. Ouais, je vais peut-être devoir la changer pour prendre. Je crois que c'est Black Sheep qu'on avait fait une plus grande. Parce que là, ça fait quand même pas mal d'oubli. Hein. Et du coup, là, alors techniquement, là, ce que je dois faire, c'est peut-être
Ah bah attends, je peux vider l'avoine là déjà. Je vais peut-être vider l'avoine et comme ça je vais pouvoir lancer l'ouvrier à récolter ça. Lancer un ouvrier à récolter ce blé, que pas énorme, mais ce serait toujours ça de prix on va dire. Et lancer peut-être un ouvrier à semer. C'est peut-être un truc à faire ça. Donc ce que je peux faire du coup, c'est monter ici dans le John Deere. Hop, et on va aller vider la moissonneuse. Alors pendant ce temps, je vais lire d'autres commentaires. Du coup oui voilà, my bad pour l'erreur. Je pensais que c'était en barre de coupe en fait. Je sais pas, j'ai pas capté sur le coup. Je me suis dit c'est une barre de coupe. Parce que ça devait être le cas sur le 19. Non, peut-être pas sur le 19, sur le 17. À un moment en tout cas, toutes les barres de coupe étaient au même endroit. Même les barres de coupe en silage d'ailleurs. C'est pour ça, en fait, j'étais encore resté bloqué là. Ensuite, du coup, on a un commentaire de Julien qui nous dit « Salut Marlon, j'ai peut-être trouvé le bug des silos d'ensilage pour le placement. Et pourquoi tu aurais que deux directions disponibles pour les placer ? Va voir sur Discord, j'ai fait un truc explicatif. » En effet, il a fait un schéma que je vous montre là. Alors, on comprend à peu près l'idée, mais à mon avis, c'est pas ça. Hein. C'est pas le fait que je les ai placés sur le côté et pas alignés sur la grille du jeu. Ou alors, ouais, ça me paraîtrait bizarre que ce soit ça quand même. Hein. Enfin, après, voilà, peut-être, hein, peut-être que c'est ça, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense que si je mettais un autre silo, ça fonctionnerait. Hein. Ça fonctionnerait qu'il n'y aurait pas les bugs. Hein. Mais bon, après, voilà, t'as peut-être raison. Hein. J'espère bientôt voir des multis à 3-4 pour les betteraves. Ouais, c'est vrai que pour l'épisode des betteraves, tout ça, ça pourrait être pas mal d'être un peu plus. On va voir. Après, voilà, à partir de là, c'est pas forcément une série où on est 100 000 à chaque fois, parce que moi, j'aime bien, voilà, on chill, on est là tranquille. Et aussi, c'est beaucoup d'heures, comme je l'avais dit, donc c'est pas forcément évident. Mais pour des épisodes, alors, peut-être pas les betteraves en soi, les betteraves ça peut se faire très bien à deux, mais un truc comme le prochain ensilage, là oui, il faudra qu'on soit 3-4, ça c'est évident. Alors ensuite on a le commentaire de Benjamin qui me dit « Salut Marlon, j'ai un défi pour toi. Mon défi c'est que soit dépendre 500 000 litres de digesta avec l'enrouleur du tuyau DLC. » Ah non, c'est que tu dois, pardon. Mon défi c'est que tu dois épandre 500 000 litres de digesta avec l'enrouleur du tuyau du DLC. J'espère que tu seras chaud de le faire car à part dans la présentation du DLC... Oui, ça c'est vrai, tu n'as pas jamais montré en vidéo. Ouais, c'est vrai qu'à part la présentation du DLC, je me suis quasiment jamais servi de l'enrouleur. Bon après, est-ce que c'est si pratique que ça? Bon, c'est vrai que l'avantage, là au moins j'ai pas l'excuse du « Ah ouais, mais c'est chiant, il faut faire des allers-retours. » Là, j'ai l'enrouleur, donc techniquement je suis relié quasiment au digesta quoi, donc et surtout que c'est à côté. Ouais, ça pourrait être faisable, on le fera peut-être un de ces quatre. Ouais, bah peut-être qu'on aura un peu plus de moyens, un peu moins de dettes, mais ça pourrait être ouais, ça peut être envisageable, franchement c'est pas une mauvaise idée. Pour ceux qui savent pas de quoi il parle tout simplement, alors je sais pas si on trouve ça dans la catégorie cuvalisier, si sans doute. Ouais voilà, c'est l'enrouleur là en fait. Vous avez basiquement un tuyau qui vous permet d'être branché à la réserve quasiment de digesta, donc comme ça vous avez pas besoin de faire des allers-retours toutes les 5 minutes pour remplir votre tonne. Ça peut être intéressant, en plus on l'avait fait sur le 4, c'était sympa de faire du lisier. Mais c'est vrai que c'était quand même pas très rentable par rapport à d'autres voilà, à d'autres cultures qu'on pouvait, enfin à d'autres types d'engrais qu'on pouvait faire qui étaient beaucoup plus rapides. Donc forcément à la fin c'était un petit peu chiant, ça nous retardait un peu, mais on en faisait quand même un peu hein, voilà, c'était sympa. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais peut-être lancer un ouvrier, et ensuite ce que je vais faire c'est prendre le fen sans doute et aller chercher le semoir à maïs. Ah non, le semoir à maïs c'est déjà là en plus, donc techniquement je peux même mettre le John Deere en fait. Là je lance l'ouvrier, voilà parfait, comme ça moi je vais pouvoir continuer à labourer ensuite. Et le John Deere qui est ici, on va laisser la benne. Normalement il devrait pas y avoir une trémie pleine de blé. Hein. Comme là, l'avoine, il n'y a pas grand-chose. On l'emmènera, évidemment, hein, mais pour le moment, c'est pas hyper urgent. Et on va aller commencer le semis avec le semoir à maïs. Hein. On va commencer à semer des betteraves, tranquillement. Alors, dis-moi que j'ai tout ce qu'il faut ici, sinon je vais en acheter, c'est pas grave. Ouais, j'en ai un peu, ça suffira pour l'ouvrier. Excellent, les collisions. Ça va partir, j'adore. Sublime jeu. Bon, je vais me décoller avec la console. Je suis où, là? Mettre là, voilà. Hop, et on va le lancer, à peu près, peu importe en soi. On va juste se mettre en betterave, évidemment. Voilà. Oula, c'est un peu lourd là pour le monsieur. Ah ouais? Ah merde. Ah, une fois que ça va être déplié, normalement ça va le faire. Ça le fait? Oui, ça le fait. On active, on appuie sur H, et puis voilà. Et puis il est parti le collègue. Excellent ça. Bon bah moi je remonte du coup dans mon New Holland comme ça. Alors on n'aura pas commencé la récolte aujourd'hui, désolé. Je pensais là pouvoir la commencer, mais ça va être un peu short. Mais au moins on aura préparé tous les champs. Et enfin, il y aura peut-être le semis à terminer pendant le off. Mais prochain épisode les gars, on se concentre sur les betteraves, sur que de la récolte. Hein. Betteraves et évidemment les céréales pour nos poules. Donc c'est cool. En vrai, ça aura pris du temps. Gros épisode de semis, tout ça. Mais ça valait le coup, en tout cas je le crois. Bon les gars, je galère vraiment de fou, je suis passé deux ou trois fois là sur le truc pour essayer de l'enlever, ça part pas, donc je vais repasser sur le 9 mètres pour faire les finitions. C'est pas mal, mais ouais, il y a peut-être mieux. Bah là vous voyez, ça fonctionne, ça dépend des sens, ouais, vous voyez, ça a pas tout pris. C'est voilà, c'est sympa mais ça fonctionne pas des masses. Alors les ouvriers m'ont un peu fait un carnage, pour ça j'ai repris la main, parce que ça devenait vite vite catastrophique. Mais voilà, dans l'idée vous voyez maintenant à quoi ressemble nos champs. Oh, ah oui, il a bien bossé lui. Ah oui, il a très bien bossé. Ah mais d'accord. Ah mais c'est génial. Ah bah du coup en fait, ah oui, lui il bosse très bien par contre.
franchement, il va quasiment au bord. Ça veut dire que notre champ est plutôt cool parce qu'il est ouvrier friendly et j'ai pas encore de mode d'ailleurs qui améliore leur comportement. Faudrait que j'en mette un. Et bah, je vais pouvoir lancer sur là, lancer ici. Et comme ça, on aura trois grands champs de betteraves qui seront centrés ici. D'ailleurs, j'ai bien envie d'acheter un truc pour les betteraves, les gars. Vous savez, c'est ce qu'on avait. Alors, le problème, c'est que ça va être galère à placer ici. Hein. C'est la machine qu'on avait sur partir de 1 saison 4. Mais le problème, c'est que ça va être vraiment galère à placer ici. Hein. Je sais pas comment on pourrait faire. Ouais, je sais pas comment on pourrait faire. Et d'ailleurs, pour... ah, mais attendez, j'ai une idée pour le silo là. C'est vrai que si je le vends, de toute façon, vu que je vais les virer les silos, si je le vends, est-ce que ça vend l'ancien H4 dedans ? Tu auras supprimé. Alors, on sait qu'il y a. Attends, au pire, de toute façon, je vais me le rendre. De toute façon, je vais me le payer. Au pire, on va voir ce que ça fait. 140 000 litres. Il y a 140 000 litres dedans. Si je fais démolir, hop, hop. Ah oui, oui, ça m'a juste vendu le silo. Ok. Bon, donc à ça, j'applique du coup le calcul que j'aurais dû faire il y a longtemps. Donc 140 000 fois. Alors attendez, là, c'est un peu chiant. Donc 140 000 divisé par 3800. Bon, on va calculer que la production en méthane, le digesta, je l'offre. Hein, multiplié par 646. Donc là, on a le digesta. Donc on a 23 800 litres de digesta. Qu'on divise par 425 parce qu'il est divisé par 425 et qu'on multiplie par 3600. Donc ça fait 201 600. Je sais pas si c'est des watts, kilowatts, des conneries, et l'électricité m'est repris. Ah bah ça, on n'a pas le prix. Bah c'est génial. On s'en sépare. Ah bah oui. Bah, les gars, si vous avez le prix, je le veux bien, moi, parce que là, je suis comme un con. Ah oui, je sais pas, quoi. J'ai pas d'infos, quoi. Je suis juste comme un con. Et c'est plein, là, d'ailleurs. Ah ouais. Ah ouais, c'est plein de chez plein. Bah je suis comme un con, là. Coût de production, 60 euros. Mais dis-moi combien tu m'achètes de l'électricité. Bah j'ai pas cette info, les gars. J'ai pas cette info. C'est quand même génial. Donc bah si quelqu'un a l'info, j'aurais plus qu'à multiplier les 201 600 000 que j'ai là, enfin les 201 600 pardon, que j'ai là, et ça me donnera ce que je dois me rembourser de tout ce qui a disparu. Ah non, mais vous voyez, ah non, les silos là étaient pas optimales, hein, étaient pas optimales. Bon, en tout cas les amis, on se laisse là-dessus pour cet épisode, on se retrouve l'épisode prochain pour faire de grandes choses. Bilan de l'épisode, alors on a 144 000 pour le moment, mais bien sûr on a des dettes. Ah, d'ailleurs, je peux aller, vous savez quoi, allez, on rembourse 100 000 euros. On rembourse 100 000 euros de l'emprunt parce qu'on est des mecs bien, comme ça on a déjà fait un pas, et après dans 3 épisodes on a intérêt à tout rembourser, sinon on est à panade. Mais j'ai confiance en mes betteraves, j'ai confiance en le blé, enfin en l'orge qui va devenir des œufs. Et ça va être très sympa. Et puis tout le reste qu'on va faire évidemment. Allez les gars, c'était Energy. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode en multijoueur. Ciao tout le monde.